Donc on a fini de voler évidemment, on a vu les vaisseaux spatiaux, je sais plus où, par là. Et on continue, regardez là il y a la méchante, reine de la couvée. Oh putain faut que j'y aille vite, je suis sûr qu'il va me donner la quête, voilà vite. Ils sont en train de la buter, NON le portail vers le temple noir. Faites elle vite. Va revenir. Kane a déjà lancé l'offensive contre les Sargerites. Elle revient, c'est la phase 2. Elle envoie ses rejetons. Mourez. Meurs. J'ai un nouveau spell. C'est Sargeras lui-même qui m'a confié cette clé. Je ne vous laisserai pas vous en emparer. Meurs, insecte. À la métamorphose. Regardez. Regardez, je suis un gros démon comme dans Warcraft. Quoi? Approchez mes enfants. Venez nous pêtre de nos ennemis. Elle disparaît dans les ombres. Alors la métamorphose ça fait quoi? Frappe du chaos et danse des lames remplacée par annihilé et balayage mortel. Donc ruée fulgurante, ça fait quoi? Ah non, c'est pas ça, merde. Annihilé, vous attaquez votre cible à coups de lame, les coups critiques rendent votre... D'accord, donc ça fait plus de dégâts en gros. Et c'est quoi d'autre qui a été remplacé? Frappe du chaos et danse des lames. Mais putain, c'est quoi danse des lames? Remplacé par machin et balayé. Bah, j'ai pas vu, ça fait... Ça devait être ça. Lancer de glaive, non, anamorphe, métamorphose, rayon accablant, frappe du chaos, morsure. Nul ne peut résister à mon étreinte. Il manque des spells ou quoi? Danse des lames, c'est quoi? Seigneur, prenez la clé et descendez jusqu'au portail pour retourner au temple noir. Ah, danse des lames, ça doit être un truc tank en fait. Je suis un peu con. Un peu con. Allez, j'arrive. Attendez-moi. Hein? C'est là? Oui, c'est là. C'est par là, il y en a qui ont pris le mauvais chemin apparemment. Hein, hein, hein. Là tu planes. Voilà, beau gosse. Nous sommes le dernier rempart contre la Légion. Maintenant nous avons la clé, il nous reste plus qu'une chose à faire. Ouais, amélioration épique, yes. Qu'une chose à faire, c'est-à-dire Azeroth ne doit pas utiliser la clé Sargerite. Pour activer le gang. Utiliser la clé pour activer le portail. Voilà, et la bêta s'arrêtait ici. La bataille du Temple Noir. La bêta s'arrêtait là. Go! Alors que vous invoquez le pouvoir de la clé Sargerite, le gangre portail irradie d'une énergie surnaturelle. Il est temps pour vous de faire un retour triomphant au Temple Noir et d'aider le Seigneur Illidan à repousser les envahisseurs hors d'Azeroth et de Shattrath. Go! Non! Le Seigneur Illidan est tombé! Illidari! Allez secourir le maître! Ça c'est Mayhem. Vous portez la marque de sa corruption. Le sang du démon qui coule en vous sera votre prison. Terrible. Emportez-les au caveau. Mayhem toujours aussi vénère. Et qu'ils y restent aux côtés du traître pour l'éternité. Many years later. Ça, c'est les îles brisées. Là où il y a la légende qui arrive. Est enfin venu, Cortana. Prouvez donc votre loyauté. Anu Dorini Tala. Brisez le sceau! Vite, mes sœurs! Défendez le caveau! Dame Mayhem, aidez-nous! J'ai quelque chose d'important à faire avant. Chasseur de démons, j'ai consacré toute ma vie à contenir votre démence. Plusieurs milliers d'années durant, mon seul réconfort a été de vous savoir hors d'état de nuire. Mais aujourd'hui, je suis prête à tout pour sauver Azeroth. Même si cela signifie que je dois vous libérer. Nous viendrez-vous en aide, Illidari? N'empêche. Le mec enfermé pendant des milliers d'années, et maintenant... Au fait, alors là, on aurait besoin de vous, parce que là, c'est un peu la merde. Est-ce que vous pouvez venir? Et les chasseurs de démons, bah ouais. Ouais, y a pas de... Non, pourquoi? C'est pas parce que vous nous avez enfermés pendant l'éternité qu'on serait vénère. La rancune n'existe pas chez les Illidari. Et ça, c'est vachement bien. Les gardiennes veillent. Nous ne pouvons pas nous échapper de ce caveau sans aucune aide.
Voilà, tu vois. Deux de vos alliés, Cain Sulfuri et Altruis le Souffrant, sont emprisonnés dans cette pièce. Hâtez-vous de les libérer. Leur force nous sera d'une grande utilité. J'ai besoin de votre aide pour arrêter Gul'dan. Libérez vite les autres Illidan. Après, c'est vrai. Il n'y a pas des milliers d'années entre Burning Crusade et Légion. J'ai un peu abusé. On va dire quoi, une cinquantaine d'années? Peut-être, non, même moins en fait. Même beaucoup moins. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Bonjour! Libérez Cain. Alors, comment ça va? Je suis éveillé. Vous n'avez pas pris une ride? Comment est-ce possible? Bon, prenez vos armes, bande de bolos! Combien d'années gâchées à croupir dans cette cellule? Pas grand-chose, t'inquiète. Altruis le Souffrant, vous vous rappelez de lui? C'était le mec qui vous donnait les quêtes ici, à Outre-Terre, dans Nagrande, ici! C'est insensé. Mais si, il s'est opposé au seigneur Illidan. Vous vous rappelez? De l'eau a coulé sous les ponts, Cain. Je suis toujours dévoué à la cause. Mais je refuse de suivre quiconque aveuglément. Même Illidan. C'est rigolo parce qu'ils sont vraiment aveugles. C'est bon, vous avez fini de parler? Ok. Tirez le levier. Pourquoi Maiev nous libérerait-elle? Il ne peut y avoir qu'une seule explication. À l'attaque. Ça veut dire que la Légion Ardente... La Légion est ici. Est de retour. J'ai tout sacrifié. Allez. Et vous? Libérez 8 prisonniers. À détruire notre monde. Et lui, il nous faut délivrer nos alliés. Les questions attendront. J'espère que Maiev n'a pas commis une erreur en vous libérant, Illidari. Allez-y. Je reste ici. Mais ça va, oui. Est-ce qu'on peut nous faire confiance 10 minutes? Merde. Non mais dégage. Dégage, je veux pas me battre avec toi. Ça ne m'intéresse pas. Bon, ils sont où les potes? Ils sont là. Attends, mais là, il y a le vide, là. Qu'est-ce que... Putain, on voit que dalle. On voit que dalle, en vrai. Cellule de gardien. Oui, je vous libère de votre... Mes lames vous obéissent. Je pars en reconnaissance. Un caveau elfique. Moi, je suis un pacifiste. Si je peux tuer personne, surtout que ça me gave, en fait. Je pourrais faire annihiler des portails. En plus, ça rapporte 3% alors qu'un mob n'en rapporte qu'un. Waouh ! Génial ! En plus, ça nous rapporte des trucs. Alors, où sont les potes prisonniers? Là, ils sont là. Tiens, 2 sur 8. Salut les potes! Je vais sécuriser les ascenseurs. C'est ça. Va sécuriser les ascenseurs. Toi aussi, va sécuriser les escaliers. Ah. Hop. Ah! Quel plaisir de pouvoir. Ah, mais faut pas planer n'importe comment. Merci. Non, ça fait nimp. Le seigneur Illidan est notre guide. Hop. Nous aurons planage. Besoin d'armes et de matériel pour sortir d'ici. Le 1! C'est lent. Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse tomber. Vérifions. Enfin, je crois pas qu'on puisse tomber. Genre là. Non, pas tomber, c'est cool. Ah! C'était moi avant. Sorry. Sorry, sorry. En fait, il suffit de tourner comme ça. C'est cool. Hop. Tu tournes comme ça à l'infini. Les portails réapparaissent. Et tu te fais des petits points. Et de temps en temps, t'as une cage qui permettra de libérer un mec. Voilà, c'est cool. C'est bien. Là-bas, il y a un portail. Hop, t'y vas. Hello, là, tu donnes un petit coup comme ça. Hop, les PNJ finissent. Non! Je suis volé, putain. Et là, ça va réapparaître ici, c'est ça? Voilà, en fait, de temps en temps, tu mets un petit coup comme ça, regarde. Hop. Voilà, ça fait plaisir. Hop, tu vas ici. Exactement. Allez, là, on a un peu d'énergie, on va. Hop. Voilà, ça rebondit sur les cibles. Hop. On plane un petit peu, on arrive là, on y coupe le portail. 48%. C'est quoi ça? Puissance gangrénée, absorber de l'énergie dans les éléments autour de vous. Ouais, c'est vrai. T'inquiète, y'a pas de soucis. Hop! Voilà, 98 sur 100. Et voilà, on va arriver à 100 tranquille. Maintenant, il faut que tu trouves des mecs à libérer. Voilà, on est à 100. Et en plus, on a l'objectif bonus ici, hein, qui donne de l'expérience. Ça, c'est génial. On va essayer de le finir. On est à 66%. C'est quand même trop bête. Il faut qu'on trouve encore des potes à libérer. Genre lui! Là! 4 sur 8. Ah, on est qu'à la moitié. Oh, bah, plaise. Plane! Les gardiennes sollicitent notre aide. Ah, c'est pas vers là où on regarde, attention, méfiez-vous, vous avez vu? C'est là où votre personnage regarde et non pas là où votre caméra regarde. Comme ça pourrait être le cas, de l'eau basiquement. A coulé sous les ponts de merde. Je suis prête à reprendre les armes. De l'eau a coulé sous les ponts, hein, Mardou. Bah, en fait, de l'eau a coulé sous les ponts, que dalle, les mecs sont en stase. En fait, pour eux, l'eau a pas du tout coulé sous les ponts. Hein. Ça, c'est n'importe quoi. Après, ils ont la sagesse de se dire que l'eau a coulé sous les ponts, mais en vrai, pour eux, pas du tout. L'eau a coulé que dalle. Eux, ils étaient en stase dans leur truc, là. Parce que Maiev les a emprisonnés. Maiev toujours aussi vénère, hein. Franchement. On n'avait pas vu ça à Black Temple, hein, que des mecs s'étaient fait enfermer et tout. Non, on n'avait pas vu. Ah, bon.
Bon allez, il faut que je libère des types. Ah. Alors c'est quoi, c'est sur la bêta? Alors non, on n'est pas sur la bêta, hein. Les chevaliers de la mort sont accessibles à tout le monde depuis aujourd'hui. Je dis que c'était l'occasion de venir faire un petit tour sur World of Warcraft, sur l'official et sur le jeu actuel, puisque c'est vrai qu'on n'avait pas vu le jeu actuel depuis pas mal de temps sur mon live à moi. Au final, je n'arrive pas à trouver deux types à libérer. Non. On est trop en fait à faire la quête. Du coup, tout le monde tourne un petit peu partout. Alors lui là, il tourne. Il faut que je tourne dans le sens opposé. Dans son sens opposé, genre voilà. On va trouver des mobs si on tourne dans le sens opposé. Parce qu'ils sont, ils sont malins. Ils savent que beaucoup de gens font la quête. Du coup, ils mettent les taux de repop plus rapides. Je perçois des démons dans les parages. Évidemment. Après tout ce temps passé en état de stase, j'ai hâte de me mettre au jeu. Après tout ce temps passé en état de stase. Et là, pareil. Après tout ce temps passé en état de stase. Bah non. Pour toi, c'est comme si t'avais dormi 5 minutes. Peut-être qu'ils le ressentent. Je sais pas, on peut pas savoir. J'ai jamais été en stade. La map OMG. Ah, y'a une map avec les mecs. Bah non, regarde. Ah si, j'avais même pas vu que sur la map c'était indiqué. Ah, quel teubé. Y'a quoi là-bas? C'est un rare élite ça. Des années entières. Eh, attendez, j'arrive. Eh, attendez-moi. Attendez-moi. Voilà. Le gros rayon maintenant. Ah. Transformation. Merde. Meurs. Voilà comment j'ai trop pris l'aggro tellement je fais de DPS. Pas du tout. 21%, 17%, 15, c'est énorme, 9, ouais. Allez les gars, 2%, ouais. Nice. La laisse de l'Écosse. Ouais, un petit bijou. Oh, on va être niveau 100 bientôt, c'est déjà fini. Oh là, j'avais pas du tout prévu ça. En plus, ma réputation de guild augmente, c'est génial. Les mecs chez Zarator TV vont m'adorer. Oh! Ainsi donc, la gardienne aux abois s'en est remise à ses ennemis. C'est sans espoir, Illidari. Si vous voulez fuir le caveau, vous aurez d'abord à faire, à moi. C'est Bastilax qui dit ça. Gul'dan n'aurait jamais pu pénétrer seul dans cette salle. Une de mes gardiennes m'a trahi. Ma vie est vouée à la destruction de la Légion Ardente. Maiev. Nous sommes le dernier rempart contre la Légion et la fin. Ouais, niveau 100, c'est énorme. Mais j'ai pas fini. Qu'avez-vous à rapporter? Ah, Gul'dan, arrêtez-le si vous le pouvez. Après sa défaite au Temple Noir, nous avons amené le corps sans vie d'Illidan ici pour qu'il repose éternellement dans le caveau des gardiennes. Hélas, Gul'dan a réussi à percer nos défenses et tente de voler la dépouille du traître. Il tente de voler la dépouille d'Illidan. Entrez dans le caveau du traître, tuez Pilon et Marteau. Hein? D'accord, et emparez-vous de leur puissance gangrène. Restez alerte. On va voir la tombe d'Illidan. Énorme. Oh, la belle porte toute verte, toute moche. Il y a un coffre à droite, vous avez vu en entrant. On peut le voir grâce au cheat. Waouh, la dépouille. Illidan hurle orage. Après toutes ces années, je rencontre enfin le traître. On dit Stormbridge. C'est donc lui la clé de la chute d'Azeroth. Pas mal, hein? Bientôt. Son corps est froid, mais son âme n'a pas encore cessé de lutter. Nous avons fort à faire avant qu'il ne soit prêt. Alors faites vite. Les gardiennes arrivent, suivies des Illidari. Décaté. Oh. Leur situation doit être vraiment désespérée. Illidan. Vous appartenez désormais à la Légion. Pas encore! Ça va s'ouvrir. On parie? Ah non, pas du tout. Je m'attendais à... Pas encore! Ah d'accord! Ah oui! Ah oui, donc là... Là, ça sent le cheat. Oh, Maiev complètement deg. Cordana! Vous devrez répondre de vos actes devant le Haut Conseil. Elle s'en bat les couilles. Elle est pleine de Jugez-moi si ça vous chante, chère sœur. Mais sachez que rien ne nous arrêtera. Ben ouais. Vous arrivez trop tard, gardienne. Oh, ce caveau sera votre tombeau. Ce caveau sera votre tombeau. Vous devez survivre, chasseur de démons. Lui la chier. Trouvez l'archimage dénommé Khadgar. Vous pouvez lui faire confiance. Je surveillerai toujours Illidan. Ben non.
Ah, elle va traverser le portail. Damn it. Oh la Maïev. Tu as suivi Illidan aveuglément, comme un chien. Oh putain, il est à 2%. Même lorsqu'il s'est fourvoyé, il a dû faire des choix difficiles. Et lui? Il a tout sacrifié. Peux-tu en dire autant? Putain, je mais me suis battu aussi vaillamment que n'importe lequel d'entre vous. Seulement moi, je n'ai pas massacré des milliers d'innocents. Ça va aussi loin? Non. Putain, mais il s'appelle Marteau et Pilon, c'est de la merde. Quoi? Ça m'a pas compté? Parce que j'ai pas fait assez de dégâts? Oh, c'est de la merde, je vais devoir attendre le repop en ma vie. Oh là là, c'est de la merde. Bon, en attendant, on va mettre un point de talent. Alors, réduit le temps de recharge de retraite vengeresse de 10 secondes et génère 40 points de fureur en 5 secondes si au moins un ennemi est blessé par retraite vengeresse. Rien compris. Remplace morsure du démon. Qu'est-ce que c'est, morsure du démon? C'est la morsure du démon. Ah, ok. Et ça fait quoi? Vos attaques automatiques ont 75% de chance d'infliger des dégâts d'ombre supplémentaires et de générer de la fureur. D'accord. Frappe du chaos a une chance de faire apparaître un fragment d'âme inférieur. Consommer un fragment d'âme vous confère 30 points de fureur. Ah ouais! Attends. Frappe du chaos, celle-là. Ah non! Frappe du chaos, c'est laquelle? Ah, celle-là! Ah ouais, donc de régène en gros. Réduit le temps de recharge de retraite vengeresse. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi retraite vengeresse? C'est un truc que j'ai pas encore utilisé. Ah, c'est un knockback qui attaque les ennemis proches, d'accord. Ça, c'est mage E, ça. Non, c'est A, E, F, I. C'est peut-être E, ouais. Allez. On va le mettre sur E. Ou mage 3, plutôt mage 3 en fait. Danse des lames. Oh putain! Oh, go! Ah, fuck you. Meurs! Voilà. Bon, attendez. Bon, qu'est-ce que. Ah, je peux pas le faire en combat, d'accord. Allez! Ouais! Et d'abord, bon vieux temps, pas vrai, Kane? Ne me parle pas du bon vieux temps, Atreus. Ah oui, tu as trahi, Illidan. Tu nous as tous trahis. Après 10 000 ans d'emprisonnement, Illidan a succombé aux énergies gangrenées qui le rongeaient. Il n'était plus lui-même à sa libération. Il luttait de toutes ses forces, comme nous l'a suivi. Il a comme un chien. Même lorsqu'il s'est fourvoyé. Salut Vladek! Des choix difficiles. Merci Vladek! Il a tout sacrifié! Pour ton sub, Vladek! Autant. Je me suis battu aussi vaillamment que n'importe lequel d'entre vous. Omni Slash! Seulement moi, je n'ai pas massacré des milliers d'innocents. Ah, quand même! J'allais dire quoi, c'est pas bon. Donc, ça en fait, c'est un Omni Slash. Danse des lames, ça fait blablabla. C'est l'Omni Slash de Your Nero. J'ai tout sacrifié. Dans défense, dans Defense of the Ancient. Vous savez? Alors. Excellent, vous avez absorbé la puissance de ces brutes, regardez comme vous êtes fort. J'avoue, je suis ouf. 50 quêtes, génial. Vous avez entendu ce qu'a dit Maiev. Nous devons sortir d'ici. Il y a un conduit à l'autre bout de cette grotte, allons là-bas. Chevauchez un grand grob terre. Mort à la Légion. Vous avez entendu la gardienne? Oui. Nous sommes les seuls à pouvoir vaincre la Légion. C'est vrai. Nous devons survivre. D'accord, là-bas. Imbécile. Tu ferais confiance à la gardienne? Elle nous hait presque autant qu'elle hait la Légion. Mais non. Tu ne crois en rien ni personne, Altruis. C'est clair, franchement. Tu es un chef sans partisan. Gros up, Altruis. Ah, c'est bugué, la map, là, c'est bugué. Hein. Ça, c'est du sale travail, ça. Hein. Là, le stagiaire qui a fait la carte, là, il faut enlever les points bleus. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On sort comment d'ici? Il faut chevaucher un truc merdique. C'est parti. Tenez bon, chasseur de démons. Oui. Nous luttons au nom du seigneur Illidan. Kessrazor. Où il est? Il est là? Vas-y, moi je le tue là, Kessrazor. Vos efforts sont voués à l'échec, Illidari. Rien n'échappe au seigneur Ulvan. Ah. Omni Slash! En arrière! Charge! Oh là là, trop puissant! Le C, ça fait quoi? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Mourez! Oh mon dieu, qu'est-ce que... Attendez, je m'embrouille dans mes touches. Attendez. Stop! Ah, je marche dans la merde. Omni Slash! Kick! Allez, le kick sur les yeux. Le T, ça fait quoi? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mouais! Voilà, Osef. Tiens, hop là, en arrière! Charge! Oh, j'ai raté. Hein? Trop puissant. Omni Slash! Tiens. Vous finirez par tous succomber à la Légion. Vous avez le son en stéréo? Oh, c'est quoi ça? Vas-y, j'ai eu du stuff, c'est trop bien. Putain, trop de stuff, trop PGM, trop fort. Putain, je suis trop PGM, quoi.
Hein? Kane et Altruis sont déjà partis. Prenez cette chauve-souris et rejoignez-les. Que c'est moche, les gangroptères vampiriques. Votre persévérance est admirable. Mais mes démons occupent l'ensemble du caveau. Votre seule issue est la mort. Alors moi je vais prendre ça. Voilà. Envole-moi, quête à rendre. Mais oui, envole-moi, quête à rendre. C'est de la folie pure. Les gardiennes ont perdu le contrôle de leur prison. Ah mais y'a Masquette. Ne cédez pas face à la puissance Ma de la Légion. Est vouée à la destruction de la Légion ardente. La Légion. Nous n'étions pas les seuls à ce niveau. Les prisonniers les plus redoutables y étaient aussi enfermés. Ok, je vois. D'accord. J'ai bien dit « étaient ». On ne peut pas se permettre de perdre Kane et Altruis. Ne perdez pas de temps et allez les aider, vite. D'accord. Kane et Altruis se sont séparés à chaque niveau. À chaque niveau, il y a un mob à buter. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'arrive. Oh non, vas-y, c'est qui? Qui a l'aggro? Eh hey, toi ne non. Doit pas. Mais non, mais c'est chiant. On n'a pas l'aggro, ça va servir à rien. C'est toi. Donne l'aggro. Donne l'aggro. S'il te plaît, vas-y. Vas-y, donne l'aggro. Faut faire des trucs. Faut faire des trucs avec ça. Hop. Contre-mesure sud activée. En fait, on s'en fout du mob, fallait juste faire ça. Ah, il va juste faire ça. Ah, d'accord. Ah, et maintenant il est à moi, d'accord. Intéressant. Enfin, il est à moi. On peut le taper. Ah, on est obligé de le buter maintenant. Ah non, on s'en fout. Génial. Ah oui, du coup, ça le remet en stase. Bien joué. Ah, d'accord. Le monstre est sous contrôle. Ok. Allons rejoindre les autres. Fallait juste activer la prison pour le réenfermer. Donc, en fait, les Lidaris, c'est des connards. Maiev, elle libère toute la prison, et eux ils sont en mode non mais les autres on les laisse enfermer parce que les autres voilà. Oh, le passage secret par là, putain, le PGM qui a vu ça. Le PGM. Putain, qu'est-ce que je suis bon là. Pff. Oh là là, putain. Quel PGM. Caveau des miroirs, découverte, hop, au fait, direct. Donc faut juste activer les sécurités. Attends, c'était pas très difficile hein. Waouh, une énigme, comme la quête devant Uldaman. Vitre. Le rayon de la créature est braqué sur moi. Réorientez le dernier miroir pour pulvériser son bouclier. Ah, vite, vite. Vite. Ouais. C'était énorme. C'est tout. Ah, d'accord. Le bouclier est brisé et la créature est étourdie. Profitons-en pour évacuer les lieux. Oh putain. Franchement, là, non, là, Blizzard s'est abusé. Là, en termes de complexité de gameplay, waouh, j'ai envie de dire OMFE jeu. Passage secret peut-être. Non, il n'y a pas de passage secret. Dommage. Alors là, c'est abusé. Fallait vraiment faire juste clic droit sur un putain de truc. Oh là là. Alors là, c'était vraiment terrible. Là, c'était une énigme de qualité. Alors, on sent que chez Blizzard, hein, c'est des fans de jeux de rôle. Hein, c'est des rôlistes hein, chez Blizzard. Ça fait du MMO, mais surtout du RPG. Hein. On est sur du talent. Ah, là, fallait peut-être le buter par contre. Du coup, j'attends qu'il repop. Hein. Ouais, voilà, moi je vais faire ça. Hein. C'est ça. Du coup, moi je dégroupe avec l'autre. Hein. Je m'en tapais l'oignon. Du coup, immolante tué. Je vais devoir le tuer tout seul, c'est ça? Non, parce que les PNJ vont apparaître au moment où il réapparaîtra aussi. Logique. Qu'il est moche. Putain, j'arrive pile au mauvais moment. Je suis sûr qu'il vient de mourir. Peu importe, c'est pas grave. Peu importe. Alors, c'était quoi l'histoire? Les gardiens ont emprisonné toutes sortes de monstres dangereux dans ce caveau. Maintenant que les troupes de Gul'dan ont percé ses défenses, la situation risque de devenir problématique. Nombre de nos frères tentent actuellement de contenir un redoutable destructeur magmatique dans la salle sud. Hélas, notre réveil récent nous prive de la force nécessaire pour l'abattre. Ah ben oui. Mais nous pouvons peut-être réactiver ce champ de confinement de la pièce. Go! Ma fureur! Il est qu'à 20%! Wouhou! Il est qu'à 20%! Omnislash! Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha! Allez, saloperie, pourquoi je peux pas l'attaquer? Je peux pas l'attaquer. Ah, je peux pas faire le 2? Ah non, c'est qu'en fait ça devient un passif, je suis trop con, en plus je l'avais dit. Rejoignez-moi, chasseur de démons! Qu'est-ce que je suis con? Je vous offrirai des pouvoirs! Métamorphose! Qui dépassent vos rêves les plus beaux! Ouais! Ouais! Si ouais! Vous venez à elle, ouais! Les gardiennes nous laissent ouais mourir ici pour l'éternité! Ouais, 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 pourquoi c'est ça! Vous on s'en tape! À leur côté. C'était énorme! Il s'en est fallu de peu. Et lui, il est deck parce que je viens de buter le mob. Bienvenue dans ma vie. Voilà. Allez, à plus. On se casse. J'ai encore métamorphosé pendant des dizaines d'années. Hop là.
Là, il y a un petit ascenseur après qu'il faudra prendre. On peut pas planer une fois qu'on a déjà plané. Vous avez compris? Le seigneur Illidan est notre guide. Bon. Nous sommes le dernier rempart contre la légion. Prenez l'ascenseur, rendez-vous dans la salle du jugement. Sera bientôt là. Les autres vous attendent là-haut. Ils ont de la magie, mais ils font quand même des ascenseurs. Ouais. Ça peut faire des portails pour aller sur d'autres planètes, mais bon, quand même, un petit ascenseur, ça fait toujours plaisir. Bon, il redescend. Il redescend. Tiens. Tiens, on en a des moyens de se déplacer, hein, c'est ouf. T'as le double dash, t'as le truc en arrière, là. La retraite vengeresse. Pas mal. Hop, hop. Et donc, le prochain talent, là, c'est niveau. Donc, 102, 104, 106, 108. D'accord. Intéressant. Les talents d'honneur, évidemment, qui seront disponibles pour Légion, puisqu'ils seront disponibles au niveau 110. Montez vers la salle du jugement. Il y en a des niveaux. Ah ouais, c'est pour te montrer que genre ça fight à tous les étages et que c'est la folie et tout. Ouais. Énorme. Et tu peux quand même descendre, aller les affronter si ça te chante. Ils ont 3 millions de PV. Si t'as que ça à foutre. D'accord. Montez vers la salle du jugement. Vos alliés sont tombés. Mon armée vous écrasera avant que vous puissiez revoir la lumière du jour. Bon, le boss final, c'est Bastilax, quoi, en gros. Mais pourquoi ils l'ont pas doublé, lui? Quand même, la voix d'un Eredar, c'est pas compliqué. Une voix bien, bien grave. Au pire, tu la modifies un petit peu, hein, sur un logiciel. C'est quoi ça? J'ai envie de sauter. Ça fait rien du tout. C'est un puits de lune. Arrêtez de vous chamailler. Le temps presse. Le seigneur Illidan nous a appris à nous battre et à persévérer envers et contre tout. Regardez-les. Ensemble, les deux nous cons. Avons anéanti d'innombrables démons. C'est toi qui as choisi la voie des lâches. La destruction. Le seigneur Illidan a l'arrogance, mon frère. Le seigneur Illidan ne valait plus destruction que notre religion. Vous choisissez l'un des deux. Tu as tué les nôtres. Bafoué nos sacrifices. Oh, la ferme. Bassin du jugement consulté. Hop. Faut que je choisisse l'un des deux. Oui, on va. Vous n'étiez pas encore prêt. Décidément, il t'aide, c'est pire que ça. L'ennemi est venu envahir notre monde, déterminé à éradiquer toute forme de vie. Ils ont massacré ceux que nous aimions. Ils ont anéanti nos foyers, nos villes, ainsi que nos sanctuaires. Vous avez tenté de les arrêter, mais vous avez échoué. Alors vous êtes venu me trouver, avec pour seules armes votre rage et votre détermination. Et vous avez appris que ce qui nous a tant fait souffrir pouvait vous rendre plus fort. Vous voyez désormais qu'aucun sacrifice n'est trop grand tant qu'il permet d'en finir avec la Légion Ardente. Pourtant, Seigneur Illidan, des énergies démoniaques coulent dans nos veines. Elles rongent la moindre de nos pensées. En quoi sommes-nous différents des monstres que nous combattons? Tu oses douter du Maître? Nous ne resterons pas les bras croisés comme les peuples d'Azeroth pendant que ces démons feront de nous leur proie. Nous combattrons la Légion jusque dans ses propres mondes. Et ce sont eux qui deviendront nos proies. Dans les Il semble
que tu n'as de chasseur que le nom... Démon. Et là où d'être ? Tu pourrais aussi bien servir notre cause. Jamais. Et voilà. Il joue dans ses cheveux. Encore un mec qui joue dans ses cheveux. Eh oui. Tu voulais savoir en quoi nous sommes différents des démons que nous combattons ? Ces monstres sont prêts à tout pour détruire notre monde. Et nous, nous sommes prêts à tout sacrifier pour le sauver. Hein ? Petite baffe. Là ! Et non, pas la Légion entendra parler de cette victoire. Et elle tremblera devant vous, mes Illidari. Maintenant... Vous voilà enfin prêts ! Oui ! On est prêts ! Yes ! Ce qui est quand même marrant, c'est qu'Illidan y fait. Nous ne resterons pas croisés comme les peuples d'Azeroth ! Du coup, on va devenir un peuple d'Azeroth. En rejoignant la Horde et l'Alliance. Azeroth, okay. Ne doit pas tomber. Alors, ce sera Kane si ou Altruis ? Si on ne se revoit pas d'ici là... Je vous souhaite une belle mort. Ce choix n'affectera pas la puissance de votre personnage. Cain Solfury est un soldat loyal et l'un des plus fidèles lieutenants du seigneur Illidan Hurlorage. Il est convaincu que la coopération et le sacrifice individuel sont des vertus indispensables pour venir à bout de la Légion. Honorable et exigeant, il adhère pleinement aux idéaux d'Illidan et entend atteindre ses objectifs, quel qu'en soit le coût. Altruiste le Souffrant est un renégat, connu pour prendre les choses en main quand la situation l'exige. Bien qu'il partage les mêmes objectifs qu'Illidan, il est souvent en désaccord avec ses méthodes. Persuadé qu'Illidan ne contrôle plus ses pouvoirs démoniaques, il estime que les Illidari ont besoin d'un nouveau chef. Moi, je prends les indés. Vous allez faire confiance à ce traître ? Dans ce cas, ne cédez pas face à la puissance de la Légion. Continuons d'avancer. C'est ça, dégage ! Les autres sont dans la salle un peu loin. Altruis le Souffrant, moi c'est mon pote, il est dans ma zone préférée du jeu, il est Anagrand, c'est un copain, voilà. Je prends Altruis, c'est comme ça. Allez, c'est par où ? Ah, mais ça c'était un bijou. Pas du tout, c'est une tête. Allez, on y va. Et donc là, Bastila... Merde ! Il a 34% vite ! Ah non, c'est bon, il est full life. Oh merde, non ! Non ! Non ! Attendez-moi ! Non, putain de... Attends ! Attends ! Ah ! Ah ! Attends ! Vite ! Ah ! Omnislash ! Non, s'il vous plaît, ça compte, s'il vous plaît. Oh, vas-y, s'il te plaît. Ça compte ? Ça compte ? Oui ! Nous avons réussi, Illidari ! Nous sommes libres ! Ouais ! C'était ouf, ce combat ! L'épicness du combat. Putain, c'était ouf. C'était vraiment ouf. GG. Hein ? Hallucinant. Et donc nous sortons d'ici. Allons-y. C'est pas mal cette version améliorée du désengagement en allant à l'arrière. C'est pas mal ça. Et donc là on est où ? Là j'imagine qu'on est aux îles brisées. Ouais, c'est ça. On est aux îles brisées. Azeroth, je ne suis doit l'archimage Khadgar, dirigeant du Kirin Tor, chasseur de démons. Azeroth a besoin de votre aide. Salut Khadgar, ça va ? Khadgar, évidemment. Le nouveau gardien, on peut le dire. Nous avons réussi à nous enfuir du caveau, mais notre travail est loin d'être terminé. L'attaque de la Légion en ce monde devait que commencer. Si nous voulons qu'Azeroth survive, nous allons peut-être devoir travailler avec cet archimage Khadgar. C'est ça. Salut ! La connaissance est le pouvoir. Mais il est essentiel de l'utiliser avec sagesse. Normal. La Légion a commencé à envahir notre monde. Hey ! Skyers ! Salut à toi, bienvenue, merci pour ton sub. Merci pour ton sub. La Légion a commencé à envahir notre monde à travers tout Kalimdor et les royaumes de l'Est. De braves défenseurs répondent à l'appel aux armes. Hélas, sans votre aide, leur entreprise est vouée à l'échec. Vous autres, Illidari, avez reçu un enseignement unique qui a fait de vous des armes destinées à affronter la Légion. Je vous demande simplement de m'accompagner. Vous recevrez des instructions plus complètes de l'autre côté. Ayez foi en vous. Vous êtes notre dernier et notre meilleur espoir. Pouette, pouette, pouette. Orgrimmar. Je vous salue. Bienvenue Orgrimmar, le siège de la Horde. La situation est très tendue ici, chasseur de démons. Le chef de guerre Vol'jin a été grièvement blessé lors d'une attaque désastreuse au rivage brisé. Je vous suggère de proposer vos services à la Horde avant que votre présence soit mal interprétée. Le haut seigneur Sokrok supervise les défenses de la ville. Bien qu'il se méfie des Illidari, je pense qu'il vous laissera une chance de prouver votre valeur. Allez lui parler. Adieu mon ami. Et demandez l'accès au fort Gromache. Salut! Et alors là, est-ce que les PNJ vous disent « va te faire foutre » comme quand tu étais chevalier de la mort.
Ça a pas l'air d'être le cas. Salutations. Ça a pas l'air d'être le cas. Ça a pas l'air d'être le cas. C'était le cas quand t'étais chevalier de la mort. Le PNJ te disait mais va te faire foutre. Mais Socroc il est complètement con. C'est pas normal qu'il te laisse. Hall, Hall. Socroc vous inspecte de la tête aux pieds. Quand Khadgar a déclaré qu'on recevait des chasseurs de démons aujourd'hui, je lui ai ri au nez. Et quand il m'a dit que je devais vous écouter, j'ai ri de plus belle. Pourtant vous voici. Je veux bien vous autoriser à entrer dans le fort à condition que vous laissiez vos armes et vos compagnons à la porte. En outre, vous ne devriez parler que si on vous adresse la parole. Au moins dans vos mouvements, je vous fends le crâne avec ma hache. Cherchez la victoire. Y'a pas de soucis, mec. Ça a l'air cool. Ah, et là, cinématique qu'on a déjà vue. Quoi ? On l'a déjà vu. On l'a déjà vu, calmez-vous. Si vous l'avez pas vu, vous regarderez la vidéo YouTube. Énorme. Et donc du coup, c'est bon. Ah d'accord, et là on fait la même chose. Oh putain, mais dis donc. Qui augmente les chances d'esquiver une sorte d'évade. T'es où ? Ah, c'est la même chose ! Azeroth ne doit pas tomber. Ah, d'accord. Ah, utilisez votre vision spectrale, d'accord. Très bien. N'oubliez jamais, la destruction de la Légion passe avant tout. Alors, qui est un démon ici, espèce de con ? Oh mon dieu. Là, regardez. Lui, c'est un démon. J'ai et c'est pour ça sacrifié. Qu'on a réussi et à vous... les avoir ! Voilà, c'est pour ça. Et donc là, on lui parle. Ne doit on lui parle pas. Tomber. On va parler à machin. À qui ? Là-haut. Sylvana, je peux te parler d'en bas ? S'il te plaît. J'ai un truc important. Nous sommes les réprouvés. On peut ! Nous exterminerons tous ceux qui se mettront en travers de notre route. On peut pas. La merde. Je n'ai pas le temps de jouer. Voilà. Là, elle trahit les démons. On s'en a déjà vu. Et là, combat ! Bim, balabim, bam, boum, bam, bim. 12 démons tués. Bon, d'accord. Et bien là, on a déjà fait tout ça. Très bien. Bon, et bien voilà, c'est donc ça qui achève donc la quête des Demon Hunters. C'est pour ça qu'on a vu les Demon Hunters à cet endroit-là. Je comprends mieux. D'accord. Bon. Mourez ! 10 000. Hop là. Hop. Et hop. Hop. Voilà. J'ai fait des dégâts ou pas ? Je crois pas. Voilà. Donc ça, on a déjà fait. Très bien. J'ai compris. Ça suffit de passer ces cinématiques. Ah non, mais c'est pas pareil. Là, c'est des trucs qu'on a déjà vu. Et vu que tout le monde était là au début du live, parce que tout le monde est toujours à l'heure quand je stream, eh bien, pas la peine de le streamer. Pas la peine de. Voilà, vous avez compris quoi. Hop, 50 000, c'est plus. Ça augmente les chances d'esquiver ça. Voilà. Hop, Omni Slash. Voilà. Hop, boum. 3 sur 12. Putain, mais c'est tellement de la merde. Ah, c'est de la merde. Pas tant de dégâts que ça, hein. On s'attendait à plus. On s'attendait à plus quand on a commencé, mais. Voilà. Ah. Ah, non, mais c'est chiant ce gros truc qui me tue là. Je vais devoir le tuer. Enfin, je vais devoir essayer de le tuer. Ah, c'est ça la danse des lames. Balayage mortel, c'était celui-là. Ah, ouais, d'accord. D'accord. Ah, bordel. Je peux pas le buter. J'ai pas assez d'HP, mon sang. Si c'est bon, on lui tuera pas. C'est bon, ça va le faire. Bim bam bim boum. Putain, il m'a buté. Je suis au fond du gouffre, au bout du rouleau, au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Je pensais pas qu'un mob sans. Ah, mais c'est vrai qu'on est unstuff. Parce que moi, avec mon paladin, quand je suis. quand je suis à 5% HP contre un mob qui est à 8%, je suis en mode jamais il me tuera. Je peux AFK une heure, il me tuera jamais. Mais là, c'est différent. C'est différent. Ah, ça me l'a quand même compté 6 sur 12. Je suis bien content. Alors, Omni Slash. 7 sur 12, boum! Et redash avant! Quoi, ça a pas fait les dégâts, mais putain! Non, on a quand même le racial en plus des. Ah, ça c'est bien quand même! Quand même le racial des elfes de sang, évidemment! Logique! Pourquoi on l'aurait pas? 8 sur 12! Voilà. On va mourir, 9 sur 12! Hop, lui 12%! Ah, ça n'a pas compté, zut! Merde! Non. 10. On avait tout fini. Il slash. Excellent. J'ai continué d'appuyer sur 2 alors ça sert à rien. C'est devenu un passif. Peut-être me l'enlever histoire de pas être trop con. Bon, lui va mourir. Meurs. 11 sur 12. Il en manque un là. 1. Ah non merde, j'ai raté. 1. D'accord. Omni Slash. J'aurais pu l'appeler Omni Slash plutôt que Danse des Lames. Danse des Lames, quelle idée. 12 sur 12, ça y est. J'ai fini.
Hein ? Nous ne sommes que les esclaves de cette douleur. Et voilà, et là, allez en grimard. Alors est-ce qu'on peut déjà voler du coup ? Genre là, si je prends une monture n'importe laquelle, monture volante. Monture n'importe laquelle. Genre, je sais pas moi. Genre le gardien du bosquet. Qu'on pourra plus avoir à Légion par exemple, au hasard. Ah on peut voler, d'accord. Ok, bon. Du coup, eh bien, cette monture ne servira plus jamais à rien, merci à tous. Et donc là, une arme de la Horde, et là il va peut-être nous dire, lui il va gérer des invasions. Ah quoique. Je sais pas, on sait rien. Mais si, sûrement. Sûrement, sûrement. Hop. Nous sommes le dernier rempart contre la Légion. Voilà. Et donc là, et la fin du monde. Allez faire une invasion. Bon, ça on l'a déjà fait, on va pas le refaire. Eh bien, j'ai fini. Donc là, il y a une invasion en cours à. Ah, dans 41 minutes. Ok. Ok, bon, bah pas mal. Et bah écoutez, voilà. Voilà ce qui conclut notre petite soirée World of Warcraft sur le live. Donc voilà, nos petites heures de live. On aura live. Ah, j'ai live longtemps en fait. J'ai live 4 heures. Ah non, 21h, 3h, 3h, du calme. Oula, 4h, 4h. Comme si streamer était mon vrai métier. Ah non, honnêtement, j'ai assez peu live et je vais assez peu live cette semaine parce que j'ai beaucoup de trucs à gérer par rapport au. Enfin, cela dit, je vais plus live que la semaine prochaine. En ce moment, on visite des locaux pour Unexpected, donc mon aventure. De monter un studio de jeu indépendant. Parce que je vous rappelle qu'on va recruter à la rentrée de septembre, ou sûrement septembre-octobre, vu la tournure que ça prend, des gens, une équipe à Montpellier pour développer nos jeux et commencer à commencer ce nouveau studio. Voilà, on est très contents, ça avance, on visite des choses intéressantes et c'est super. Donc on vous tiendra au courant, de toute façon, sur les pages, évidemment, Unexpected sur Twitter, Unexpected-8FR. Ou sur Facebook, Unexpected Studio. Les modérateurs vont vous passer les réseaux sociaux, évidemment, sur le chat. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez avoir des infos. Moi, eh bien, je vous dis à demain. Alors, demain, gros live. Demain, gros live très rigolo. Dégage. Demain, gros live très rigolo vers environ 20h, 20h30. On sera avec Juice, Dash et l'agent F, qui sera en duplex. Mais Juice et Dash seront IRL ici. Et on jouera à Overcooked, un jeu trop marrant, où Dash va TK, je pense. Évidemment, on aura... Oui, on va découvrir le jeu en même temps que vous. Ça va être énorme. Non, j'ai dit dégage. Et donc, du coup, ça va être énorme. Ça va être énorme. Je pense que ça va être génial. Voilà, clic droit, ignorer, comme ça, plus de problème. Et vendredi, on fera donc l'aventure Karazhan, la première aile de Karazhan. Ça va être énorme aussi. J'ai vraiment hâte de faire tout ça. J'ai vraiment hâte que demain on fasse Overcooked. À mon avis, ça va être complètement génial. Voilà. En tout cas, eh bien, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette petite soirée de stream avec nous. Je pense qu'on a bien rigolé. Moi, je me suis bien amusé à jouer à World of Warcraft avec vous. Je vous dis évidemment à plus en live, mais sûrement à demain pour ceux qui seront là. Merci, ciao, bye bye, à bientôt et